Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Ista'inu ala injahi al-hawa'ij bil kitman, fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Naam, ista'inu ala injahi al-hawa'ij bil kitman. Lorsque tu as un projet, si tu veux que ce projet, inshallah ta'ala, marche, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: aide-toi, mais il faut que tu t'aides toi-même. Aide-toi avec quoi? Aide-toi à ne pas dire ce projet, mais à le cacher. Ista'inu ala injahi, afin que ça réussisse, injah, al-hawa'ij, les choses que vous voulez faire, ou là, les projets, bilkitman. Bilkitman, ça veut dire ne pas le dire. C'est pas quand on veut faire quelque chose, on va le dire à tout le monde. On va aller au café, on s'assoit devant n'importe qui, toutes les connaissances, on va leur dire, on leur téléphone, on va faire ceci, on va faire cela. De préférence, tu ne dis à personne. Sauf, bien sûr, si tu sais que vraiment, cette personne t'aime beaucoup. Et encore, elle t'aime, et il se peut que ce jour-là, quand elle entend ce projet-là, qu'elle sente quelque chose dans son cœur, ce qu'on appelle le hasad, la jalousie. Il se peut, c'est quelque chose de normal. On a tous ça dans le cœur. Le hasad, on l'a tous. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ثُمَّ إِلَى مِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِلَى مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ le mal de la jalousie, s'il jalouse, إِذَا حَسَدَ, ça veut dire s'il ne jalouse pas, c'est permis. La jalousie, tu l'as dans le cœur. On a tous la jalousie dans le cœur. Mais إِذَا حَسَدَ, mais si t'hasad, tu fais la jalousie, ça, ce qui est interdit. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, essayez, si vous voulez, vous avez un projet ou là, essayez de le cacher au maximum, حتى inshallah ta'ala yinjah. ثم قال فإن كل ذي نعمة محسود. Subhanallah, chaque personne qui a une ni'ma, ou le Allah Azza wa Jalla va lui donner une ni'ma, ou le Allah Azza wa Jalla lui a donné une ni'ma, il y a toujours des gens qui lui font la jalousie. Il y a toujours des gens qui lui font la jalousie. C'est pour ça que plus tu caches, plus c'est mieux, plus inshallah ta'ala ça marche. J'oublierai pas ici dans ce contexte pour vous faire remarquer qu'il y a un hadith faible, hadith vaif, il ressemble beaucoup à celui-là, prévenir qu'il y a un hadith faible, celui-là c'est un hadith sahih que je viens de dire, il y a un hadith faible où il est ajouté un mot, à cause de ce mot le hadith est faible. Que dit l'autre hadith? Il dit ista'inu ala injahi al-hawa'ij bissirri ou kitman. Il a ajouté le mot sir. Bissirri ou kitman. En disant, ce hadith est faible à cause du mot sir. Mais le vrai hadith, le sahih, ista'inu ala injah al-hawa'ij bil kitman. C'est pas avec le sir. C'est bil kitman, kitman. Ça veut dire, tu laisses ça dans ton cœur, tu ne le dis pas, tu ne le dis à personne. Et la différence entre kitman et sir, kitman tu ne le dis pas, et sir, tu le dis, mais tu le dis seulement en cachette. Celui-là a dit non, bil kitman, et tu ne dis pas,